Cette année, on l'a pu faire. Et on descend et les niveaux là. OK? Alors, il y a beaucoup de bénévoles qui ont participé à la sauce, à monter le stage, à monter les tables, à couper du gazon. C'est trop de personnes pour les nommer. Mais j'aimerais ça qu'on prenne deux secondes pour les applaudir quand même. Ils sont parmi vous en ce moment. Merci beaucoup. J'achève le speech, c'est pas long. Mon nom, c'est Stéphane Blanchard, c'est moi le commandant ici. Ouais, c'est un gros titre, mais ça veut rien dire. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire esclave. Vous avez vu aujourd'hui ce que j'ai fait, esclave. Je joue de la musique depuis plusieurs années. J'ai joué avec deux bandes dans les 10 dernières années. Et ce soir, je les ai rassemblés, un band que ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas joué ensemble. Ils sont sur le stage. On a fait genre 3 pratiques. Fait que soyez indulgents, ça se peut qu'on commence les chansons 3-4 fois jusqu'à temps qu'on les apprenne. C'est qu'on va jouer avec Manfred. Manfred, c'est le gars dans le milieu. Il s'en vient, Manfred, la marque sur le stage. Avant, il avait des cheveux très très longs comme moi. Alors, le nom du band, Manfred, est tiré de Joe Cocker. Je sais pas si vous connaissez Joe Cocker, le monde qui sont plus âgés. On va jouer de la musique des années 70. Les jeunes, soyez patients, on a un autre band après. Et on va jouer environ 6-7 chansons parce que c'est tout ce qu'on sait. Fait que, après ça, il va y avoir une pause de 15 minutes. On va changer de band. Et ce band-là, c'est les experts avec qui je joue depuis 20 ans. Ça sera de la musique des années 80, 90, 2000, 2010, 2020. Ça sera suivi à la fin de tout. Le dance floor sera prêt pour que vous dansiez la soirée. Si jamais vous voulez vous danser pendant que les bands jouent, ne vous gênez pas. Je vous remercie beaucoup de votre présence si l'on peut ce soir. Merci beaucoup à tout le monde. C'était vraiment une belle soirée. Merci.
Tantôt, on a fait plein de remerciements. Maintenant, j'aimerais faire des excuses. Donc, pour tous les citoyens de la ville de Saint-Lambert, on est désolé, ça fait du bruit. Hein? On va poursuivre avec une pièce de Stevie Wonder, Superstition. Martin Nadeau. Il était là à mon 30e anniversaire. Fait que là, il va être là à mon 40e anniversaire. On va faire des chansons FaceTime. Là, ça va, on va donner une petite tapette. Il est excellent. Merci, Fernand.
Et puis, soyez très indulgents, on l'a pratiqué deux fois. Bonsoir tout le monde. C'est la fête à Stéphane. Et aussi, on fête sa retraite aussi à Stéphane ce soir. C'est 40 ans et sa retraite. 40 ans de carrière, tu veux dire? C'est une blague. Il nous fait dire qu'il a 40 ans ce soir. Ouais, c'est ça. Hey, y a-t-il des amateurs d'Elvis dans la salle? J'ai une petite surprise ici. Stéphane? Hey, tu te rappelles qu'on est là pour faire la musique, pas pour les mots? Ok, on fait appel? Ok, après la chanson, on a un petit bœuf qui court à rouler. Alors, on a une chanson d'Elvis, pardonnerai mon anglais, n'est pas très bon. Cette chanson s'intitule Sus et Sus Mail.
Bon, là, c'est le temps d'ouvrir la boîte Pico. C'est parti. Oh yeah! C'est une bouteille de champagne, mon ami. Puis, ben ça, c'était pour... la bouteille de champagne, c'était pour ta retraite. Ça, c'est pour ta fête, un petit whisky 12 ans, mon chat. Bien sûr. J'ai pris un 12 ans parce que c'est là où il est rendu dans sa maturité personnelle. Ouais, c'est bon. C'est nouveau, là. C'est récent. Fait qu'on ouvre la bouteille. J'ai quelques flûtes ici pour les musiciens. Tiens, les amis. On va essayer de faire ça vite, ça va pas long. Au début, on avait 30 minutes de musique, mais là, on est bon pour 45. Ça va pas long. Là. Oui, on va le temps, ça sent bien. Bon, ben, santé tout le monde, puis on va lui chanter bonne fête en même temps. Mon cher Stéphane, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Stéphane, c'est à ton tour de te merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Well, who says left the building? Donc, la prochaine, pendant que finisse de gérer le champagne, il y a peut-être... Il y a une douzaine d'années, dans un camping, c'était avec Stéphane. Évidemment, on avait pris trop de jus de pomme. Et là, on a écouté la pièce qu'on va vous faire en se disant que ça serait vraiment une bonne idée de s'en monter un band comme ça. Le band en question, c'était Joe Cocker avec Mad Dogs and the Englishman. Et c'est devenu Mad Fred and the English Dogs. On s'était pas trop forcé. Mais la prochaine pièce, c'est vraiment ça qui a été le point de départ de... notre groupe que vous voyez ce soir.
On va continuer avec une petite pièce de Chicago. 25 or 624. Thank you.
Ben, nous en sommes déjà à notre dernière pièce. Oui, oui, je sais, je sais. On pourrait en faire plus, mais ça coûterait plus cher. Comme la Saint-Jean-Baptiste s'en vient, on va vous en faire une longue, quand même, en français. Pour les amateurs de Offenbach, vous allez être gâtés. Thank you.
Dieu. Arrêtez, je vais enlever mon linge. Est-ce que tu peux me fermer le keyboard pour que je branche ça?